L'ouverture d'un centre supervisé d'inhalation de drogue dans le quartier Saint-Henri à Montréal ne fait pas l'unanimité. Après l'opposition des parents, ben voilà que les commerçants, des commerçants en tout cas critiques, se disent préoccupés. Écoutons ce qu'a recueilli comme information et explication Marie-Lise Mormina. Marie-Lise? Ce centre supervisé d'inhalation de drogue se situe de l'autre côté d'Atwater. Le site doit offrir à peu près une trentaine de studios pour des personnes sans logement qui vivent avec une problématique de santé mentale ou encore de toxicomanie. Le centre est situé près de l'artère commerciale Notre-Dame et du marché Atwater. Cette semaine, la Société de développement commercial, les quartiers du canal, émettent quelques préoccupations. Il y a des commerçants qui s'inquiètent pour la sécurité de leurs employés et également de leur clientèle. On veut aussi dénoncer le manque de communication. J'ai dit, ça se peut pas à côté d'un marché public, un beau marché en plus, puis à côté d'une école. Parce que nous, ça ne nous amènera pas nos clients, là. Ça va les éloigner. C'est le bout qui nous fait peur un peu, parce que la journée qu'ils n'auront pas leur drogue ou autre chose sur eux, mais il va falloir qu'ils quittent sur les marchés, puis ils sont juste à côté. Fait que c'est là que ça nous fait peur beaucoup en tant que marchands. Puis c'est nous autres qu'il va falloir défrayer les frais en plus de ça. Près d'une école, près d'un marché public, on s'entend qu'on est inquiet parce qu'on ne sait pas comment ça va être géré. On ne sait pas déjà que c'est déjà problématique, les itinérants se promènent. Ça, il y a des vols sur le marché. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant, mais en même temps, on sait que la société a besoin de ces centres-là. Fait que c'est vraiment comme c'est très polarisant. C'est de savoir s'il y a une sécurité qui va être là, constante et stable. Et parce que même ici, sur le marché, il n'y a pas tout le temps la sécurité qui vérifie tout. Donc, il peut y avoir des vols, il peut y avoir du grabuge. Depuis quelques semaines, on entend également des préoccupations de la part de parents parce que ce centre supervisé d'inhalation de drogue est également situé à proximité d'une école primaire. Le site est une initiative de la maison Benoît Labre qui n'a d'ailleurs pas donné suite à notre demande d'entrevue. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.